Salut à tous, bienvenue au Bio Auto, j'espère que vous allez bien les amis et bienvenue dans la Mercedes classe E 400D, 4MATIC, all-terrain. Le nom est un peu long, mais c'est une voiture qui est assez méconnue étant donné que elle vit, on va dire malheureusement, dans l'ombre de l'Audi A6 Allroad et d'auto comme la Volvo V90 Cross Country qu'on a déjà essayé. Ici, cette Mercedes E400D all-terrain, elle a beaucoup d'intérêt. Dans le sens où, c'est une alternative extrêmement viable à ces deux concurrentes principales que j'ai nommées précédemment. D'autant plus donc avec ce moteur 400D qui fait son apparition à son lancement. La E all-terrain était disponible avec le 4 cylindres 220D, très rugueux malheureusement, et le V6 350D, extrêmement bon, mais qui, vous allez le voir, a été très avantageusement remplacé par ce nouveau 400D. C'est le retour du 6 cylindres en ligne chez Mercedes. Un est en essence et est disponible sur les versions 53 avec l'hybridation légère, et l'autre est un diesel. Celui-ci, le 400D, qui développe 340 chevaux et 700 Nm pour un 6 en ligne 3 litres turbo diesel, c'est extrêmement bon comme valeur. Et vous allez voir qu'à l'utilisation, on s'y retrouve carrément. Tout d'abord, esthétiquement, la voiture, c'est une Mercedes classe E break. Surélevé, il gagne 30 mm en hauteur avec des roues de 20 pouces, avec des passages de roues en plastique, des pare-chocs spécifiques, tout un traitement baroudeur, on va dire. Ce qui lui confère un aspect un petit peu plus trapu et un petit peu plus fun que le break classe E qui, on va pas se mentir, n'est pas le break le plus sexy du marché, mais je commence à comprendre, en vivant avec la voiture, pourquoi certains peuvent le trouver très joli. Il a vraiment un côté imposant, statutaire. Il est long, 4,95 m de long, plus d'1,80 m de large. On est sur une voiture conséquente en termes de gabarit. Et les proportions, porte à faux assez court à l'avant, très long à l'arrière, qui laisse la place à l'immense coffre de cette classe E, de 640 à 1820 litres, c'est juste énorme, je crois. J'ai malheureusement pas révisé mes fiches, mais que c'est un des coffres les plus logeables du marché, si ce n'est le coffre le plus logeable du marché. Une fois que vous avez rabattu les banquettes, vous avez un véritable utilitaire. Pour moi, une A6 sera un petit peu plus jolie esthétiquement. Ne parlons pas du Volvo V90 Cross Country qui est absolument magnifique. Donc voilà, ça c'est une question de choix. En revanche, à l'intérieur, là, on a peut-être, et j'englobe encore une fois la 6 et la Volvo là-dedans, le meilleur intérieur. C'est absolument extraordinaire. Mercedes sait faire des intérieurs. Encore une fois, on aime ou on n'aime pas, moi j'adore cette double dalle de 12,3 pouces x2 avec la partie devant vous qui s'occupe de toute l'instrumentation et la partie centrale qui va s'occuper de tout l'infodivertissement. On a cette console centrale Mercedes extrêmement bien dessinée avec ici du bois brut à port ouvert. Je trouve que l'effet est absolument parfait. On a un dessin fluide, l'infodivertissement qui est commandé par le système commande, qui malheureusement lui manque d'ergonomie par rapport à ses concurrents. Gigantesque toit vitré ouvrant sur cette partie qui inonde de lumière cet habitacle qui ici est recouvert d'un magnifique cuir marron qui contraste parfaitement avec le bois et les parties hautes noires. L'ambiance est là, on a le système Birdmeister qui s'occupe de sonoriser tout ça et de manière excellente. Et la qualité des ajustements, la qualité des assemblages et des matériaux ne souffre aucune critique. Dans cette Mercedes classe E, on sent vraiment qu'on est dans une voiture haut de gamme, dans une voiture luxueuse, tout fait solide. On a l'impression que rien ne bougera durant toute la durée de vie de la voiture, et c'est ce qu'on veut quand on dépense ces types de tarifs dans la voiture. Entre 60 000 euros, un petit peu plus de base pour cette all-terrain, 75-77 pour la E400 et quasiment un peu plus de 95 000 euros pour notre modèle d'essai. On est bien installé, on a une belle largeur au coude, on a une belle hauteur au toit. À l'arrière, n'en parlons pas, les passagers seront installés
royal. Il y a de la place pour les genoux, il y a de la place pour 3 passagers à l'arrière, même avec le tunnel de transmission, ils seront plutôt à l'aise. Et le coffre, je vous en parlais tout à l'heure, c'est un véritable conteneur. Et vous êtes armé pour voyager, c'est vraiment la définition de cette voiture voyageuse. En ligne et le premier truc qui choque, c'est qu'il claque un tout petit peu comme un 4 cylindres au ralenti, et ça c'est une des rares choses et c'est peut-être la seule chose que j'ai à lui reprocher. En ville, hormis la taille du bestio, c'est vraiment nickel, ça braque extrêmement bien. On croirait presque que la voiture dispose des 4 roues directrices, ce n'est pas le cas, mais ça braque extrêmement bien, ça lui permet de se faufiler d'une belle manière. Il n'y a pas de souci au niveau des relances, des départs au feu. C'est coupleux, c'est souple et c'est extrêmement bien insonorisé. Ce qui fait que vous êtes un petit peu coupé du monde. Et cette position très légèrement en hauteur, la voiture est relevée de un petit peu moins de 3 cm par rapport à une classe break classique. Mais ça vous offre une position très légèrement plus en hauteur, mais en gardant un break et une position de conduite typée berline. Mode éco, start and stop. Tout est là, toute la technologie moderne est là pour vous aider dans la circulation, d'autant plus quand vous sortez de la ville et que vous empruntez les grands axes. Régulateur adaptatif, maintien dans la file. Thank you, Waze. Et toute la techno, pilote semi-automatique, ça a été un des premiers systèmes vraiment complets, celui de Mercedes. Il maintient la distance évidemment, il vous maintient dans la file, il y met du couple dans la direction pour prendre des courbes à votre place, et sur une action du clignotant, s'il n'y a personne derrière, la voiture peut se décaler et changer de fil toute seule pour dépasser. C'est bien fait, et dans les faits, ça marche de manière sacrément intuitive, c'est très agréable à utiliser sur les longs trajets. On a toujours donc cette insonorisation absolument bluffante qui fait de cette classe E une voyageuse au long cours. Vous pouvez rouler comme ça pendant des centaines et des centaines et des centaines de kilomètres. Clairement, cette E, encore plus en le terrain avec la suspension pneumatique qui gomme vraiment toutes les aspérités, vous aide à avaler les kilomètres par paquet de mille. C'est assez impressionnant, on n'est pas fatigué. Ici, on n'a pas les sièges massants ni les sièges actifs avec les bourrelets qui viennent vous maintenir dans les courbes et les virages. Mais ce système est assez excellent. On garde quand même une voiture extrêmement confortable. Quand vous sortez des grands axes et que vous empruntez les petites routes, c'est là qu'on va sentir les 2 tonnes du bestio, 2025 kg à vide. Mais le 6 cylindres brille toujours, très très bien secondé par la boîte 9 G-Tronic à 9 rapports, super bien étagés, douce et rapide. On sent que la voiture pèse. On sent que les suspensions pneumatiques sont tarées souples, même en mode sport. Mais il y a cette rigueur qui fait que quand vous inscrivez la voiture, quand vous entrez dans la courbe, la voiture ne se laisse pas embarquer par son poids. Le châssis lui paraît totalement composé, c'est extrêmement rigoureux. On n'a pas vraiment de remontée dans la direction, c'est clairement axé confort. Mais ça met en confiance et on sent que les allures dans les courbes rapides ou dans les virages un petit peu plus serrés peuvent être quand même assez impressionnantes compte tenu du gabarit et du poids du bestio. Et là, le 6 cylindres et ses 340 chevaux et surtout ses 700 Nm de couple vont donner toutes leurs mesures. C'est d'une souplesse sans nom, c'est d'un agrément royal, c'est la reine de l'agrément. Cette E, en termes de confort, en termes de souplesse, en termes d'onctuosité, on n'est pas sur la dynamique et la réactivité du 6 cylindres en ligne BMW, c'est réglé plus confort, mais en revanche, quand vous regardez le compteur, c'est bluffant. Ce 6 cylindres va aller tirer jusqu'à quasiment 5200 tours minute sans s'essouffler une seule seconde, c'est plein partout. Et on reconnaît l'agrément du 6 en ligne par rapport à un V6 un petit peu plus rond, on reconnaît le moteur qui est plein dès le bas, mais qui va aller chercher les tours et qui va vous donner de l'agrément aussi dans les tours après 3500 tours. Ça s'essouffle pas, ça vous offre des relances expéditives sur l'autoroute et des accélérations dantesques. Alors soyons réalistes, c'est pas une ballerine cette E400D all-terrain, mais j'ai été extrêmement surpris par la rigueur de son comportement routier et par son côté agile
quand on la remet dans le contexte et quand on compare par rapport aux dimensions et aux poids. Terrain, rehausser la suspension pneumatique de 35 mm en plus pour pouvoir barouder un petit peu, emprunter des pistes, des chemins un petit peu cassants et voilà, s'aventurer, pas trop loin, mais s'aventurer et offrir une garde au sol un petit peu rehaussée. Je crois qu'on va jusqu'à 15,6 cm, ce qui permet à la classe E de s'évader un petit peu et de vous offrir un petit supplément de polyvalence, comme si c'était pas déjà assez. Donc pour moi c'est un très très joli package. En termes de conso, je vous le fais en direct. On est depuis le départ et depuis cette petite semaine d'utilisation à 7 litres de conso mixte, sachant que j'ai pas du tout fait à un seul moment à l'économie. J'ai roulé fort avec, j'ai fait du vrai mixte, beaucoup de villes, beaucoup d'autoroutes, beaucoup de réseaux secondaires et je dois dire qu'elle s'est comportée de manière exceptionnelle et que cette Li 2 par rapport à ses concurrentes s'est bien placée, et surtout par rapport à un engin de 2 tonnes, de 340 chevaux et de 700 Nm. Maintenant en termes de tarifs, c'est pas donné, c'est le prix à payer pour avoir une des autos les plus agréables du segment. Et je trouve que c'est dommage qu'on la connaisse pas bien, cette E400D, parce que je trouve qu'elle est très sous-estimée et on devrait y penser. C'est une voiture qui devrait être considérée à l'heure du choix. Si vous hésitez entre une A6 Allroad et une Volvo V90 Cross Country, donnez-lui sa chance, essayez-la, parce que vous pourriez être surpris de l'agrément de cette voiture, notamment avec le 400D qui est le moteur de choix pour moi sur cette E all-terrain. Voilà, j'espère que vous avez apprécié tout ça, les amis. J'espère que ce petit essai vous a plu, ce petit daily driver de cette fin mai, début juin. Moi, je continue un petit peu les pérégrinations. Il y a plein de belles choses très sympas qui vont arriver, des aventures avec le copain Julien Gauger, d'autres essais. On va essayer de faire bouger un petit peu le billet auto un petit peu plus avant l'été, sachant qu'une partie du mois de juillet sera très calme, mais on en profitera pour vous faire des lives. En tout cas, si tout ça vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre les petits pouces, c'est très important pour nous. Et puis moi, je vous retrouve très très vite pour de nouvelles aventures. D'ici là, je vous souhaite une très très bonne continuation, une bonne fin de ce que vous êtes en train de faire. À bientôt, les amis. Ciao.